ont vu en Jésus l'amour et la grâce et ont entendu les premières paroles de Jésus, que cherchez-vous ? Le Seigneur ne leur a pas imposé de lourdes doctrines, mais il leur a donné l'occasion de dire ce qu'ils pensaient. Et vous, frères, que cherchez-vous ? Quel est le but de votre vie ? Voulez-vous Jésus ? Allez-vous suivre l'agneau ? Étudiez ces grandes vérités. Les deux disciples demandèrent à Jésus de pouvoir l'accompagner chez lui. Les interrogations de leur cœur étaient trop nobles pour en parler au milieu de bruit de la foule. Jésus répondit, « Venez et voyez. » Il n'a pas dit, « Venez, étudiez avec moi. » Mais ouvrez vos yeux et vous verrez ma véritable personne, mes actions et ma puissance, et vous discernerez une nouvelle image de Dieu. Celui qui s'approche de Christ reçoit une vision renouvelée du monde et voit Dieu comme il est. La vision de Jésus renverse notre système intellectuel. Il deviendra le centre de notre pensée et la cible de nos espérances.